Bonjour et bien salut tout le monde, c'est Majem, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. On est le 25 décembre 2018. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël. J'espère que vous avez passé du bon temps en famille. J'espère aussi bien évidemment que vous avez été gâtés avec les cadeaux, que vous avez profité un maximum, que vous avez eu ce que vous aviez entre guillemets commandé. Moi pour ma part c'est le cas et j'en profite aujourd'hui, voilà, pour faire une petite vidéo récapitulative de tout ce que j'ai eu. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément une vidéo où je vous dis « Oh, regardez, j'ai eu une petite paire de chaussettes, oh là là, j'ai eu mon petit pull, mon petit truc, mon bidule. » Parce qu'en fait, tout ce que j'ai eu a un rapport indirectement avec le streaming. Et je me suis dit, ça pouvait être archi cool, voilà, en plus d'avoir fait en live hier soir, et bien tout simplement de faire une petite rediffusion de ce que j'ai eu, voilà, tout simplement de faire un petit récap directement sur YouTube pour que les gens qui n'étaient pas présents, et bien puissent savoir ce que j'ai eu et voir un petit peu quelles vont être du coup les nouveautés sur la chaîne, parce que forcément il y a beaucoup de choses qui ont changé et je pense que vous l'aurez sans doute vu. Oui, c'est un t-shirt Majem effectivement, alors rassurez-vous, c'est pas l'ouverture d'une boutique, c'est pas ce genre de choses. C'est totalement un délire qu'a eu mon père en fait avec les t-shirts Majem. Vous savez, on a tous des parents qui des fois te soutiennent dans certains projets et c'est très bien, et mon père me soutient énormément dans le streaming et je suis très content de ça. Seulement, il veut faire bien les choses, il veut essayer de faire un truc classe, un truc vraiment cool. Et on a ça quoi. Et en fait, vous voyez, c'est le genre de t-shirt, tu vois, je ne peux pas sortir dans la rue avec, c'est impossible, c'est totalement impossible, t'imagines? Genre, je vais faire les courses avec ça, genre, ok, je fais ma pub, mais non, tu vois, c'est pas possible, donc c'est le genre de t-shirt, tu vois, que t'as pour garder ou pour rester à la maison en pyjama ou tout ce que tu veux. Mais voilà, ça c'est un des cadeaux de Noël que j'ai eu de la part de mon père, je suis extrêmement content, et puis voilà, donc vous comprenez un petit peu pourquoi je vous dis que maintenant, faire une petite vidéo là-dessus pour vous présenter ces différents produits, ça peut être archi cool, parce que bah, ça a un petit rapport avec le streaming, et puis, bah voilà, il y a tellement de choses en fait finalement. C'est trop bien et j'avais trop envie de vous les montrer. Tout simplement. Alors on commence bien évidemment avec le t-shirt. Voilà, vous l'aurez vu. Petit t-shirt pour faire de la pub. Donc si jamais vous n'avez pas d'overlay les amis, je vous invite tout simplement à faire exactement comme mon père. En gros, au lieu de mettre tout simplement Twitter ou bien même YouTube, si vous savez genre par exemple un endroit comme là ou bien même ici, et bah vous mettez tout simplement un t-shirt où vous faites votre propre pub. Comme ça voilà, personne ne vous posera cette question. Oh merde, putain, en vrai il a abusé. Je vais vous montrer un petit peu le reste. Alors j'ai reçu deux autres t-shirts, tout simplement, regardez, ils sont juste ici. C'est un peu dans le même style, hein, exactement pareil, hein, c'est mon père qui les a entre guillemets designés, on va dire ça comme ça. Seulement, bah, voilà, ici on est sur quelque chose de très uni, de très classique. Et si vous voulez, en vrai, lui il passe, en vrai il passe. Et dans la rue ça pourrait potentiellement le faire si j'ai 4 pulls dessus, hein. Mais en soi, Le seul petit truc en fait qui me choque moi, c'est le carré en fait, tu vois, autant il y aurait juste le logo, mais il y a le carré qui va avec. Et oui, parce que le carré est à part entière sur le t-shirt, bien évidemment. Le carré lui il est toujours là, c'est pas un truc que tu descotes, hop, t'as juste la forme, non. Non, c'est vraiment, t'as le truc reste quoi. C'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, bah, finalement, c'est comme si on t'avait mis un t-shirt noir ici. Genre, t'avais mis ça, et on t'avait collé des étiquettes. Et voilà, c'est assez rigolo. Mais bon, voilà, c'est l'intention qui compte, bien évidemment, je suis très content, et je les mettrai d'ailleurs en stream, ça peut être très rigolo, et ça me fait extrêmement plaisir. Et on a ensuite, donc, voilà, ce magnifique t-shirt, le live va commencer, voilà, qui, quant à lui aussi, et bien comme les deux autres, très atypique. Mais voilà, je suis extrêmement content. Merci beaucoup papa, si un jour eh bien, tu regardes cette vidéo, sait-on jamais. Ça me fait très plaisir, au moins ça me fait des t-shirts que je pourrais garder lorsque je suis à la maison, lorsque je suis en pyjama. Mais voilà, c'est pas le genre de t-shirt que je mettrais pour sortir. Hop là. Ensuite, j'ai eu un autre cadeau qui est exactement dans le même style. Et lui, pour le coup, c'est aussi mon père qui y a pensé. Mais là les gars, je vous le dis, hein, sincèrement, c'est un truc de ouf. Parce que pour le coup, ce cadeau là, il est vraiment génial. Alors attendez, il est juste là-bas, je vais le chercher. Hop. Attention messieurs dames, on est sur un petit pull. Ah merde, je crois que je vous ai spoil, fuck. Attendez, hop. Faut pas voir, hein. Attendez, je me retire 2 secondes de la caméra. C'est juste pour que, histoire de... Alors attendez, hop. Voilà, je suis là. Oh yo. Vous l'aurez vu, le petit pull Majem. Ou le switch, je sais pas trop comment on appelle ça. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas
magnifique. Autant les t-shirts, tu vois, autant les t-shirts, je veux bien que, voilà, ce soit pas forcément le truc le plus... T'as pas forcément envie de sortir avec. Ça, mec, je le mets tous les jours. Je dors avec, ça devient un pyjama, c'est tout ce que tu veux. C'est putain de beau, c'est tellement bien fait. Il n'y a pas de carré, hein, comme sur les t-shirts. Mais c'est tellement bien. C'est un pull qui est quand même d'une bonne qualité. Il y a un seul exemplaire, c'est unique. Hein. Je fais comme si c'était un truc de fou et tout. C'est un produit Majem, hein, donc non, il n'y a rien de fou. Mais je suis quand même putain de content, t'imagines. Genre, je vais juste, je sais pas, à une convention, j'ai mon petit truc Majem, on sait que c'est moi. Enfin, même un t-shirt, ça suffirait en soi, mais... Putain, je suis tellement content parce que maintenant, bah, c'est un pull, quoi, tu vois, c'est quelque chose qui est plus imposant qu'un t-shirt, ça prend un peu plus de densité, mais tu vois, genre, c'est un petit truc, quoi, c'est plus qu'un t-shirt, il est archi bien fait, je suis extrêmement content, et voilà, on peut dire que c'est un élément de la panoplie Majem, comme beaucoup de personnes m'ont dit sur Twitter ou bien même par DM, c'est un élément de la panoplie. Et il est très très important. Non, 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 sans déconner, je suis vraiment extrêmement content de ce pull. Il est vraiment très très joli. Et puis voilà, j'espère en tout cas que vous le trouvez cool vous aussi. N'hésitez pas à me donner votre avis, bien évidemment, dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous montrerai ensuite eh bien, le reste eh bien, de ce que j'ai eu. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de choses en relation avec le streaming que j'ai eu encore une fois. Mais voilà, on va juste faire un petit aparté avec des petits gâteaux que m'ont donné mes grands-parents. Oh putain, la boîte est bien blanche. Hein. Ok. Des petits gâteaux que m'ont donné mes grands-parents, c'est des petits trucs comme ça. Donc c'est vraiment très très bon, j'ai eu l'occasion d'en manger quelques-uns et ils sont délicieux. Donc voilà, je vais pas passer 20 000 ans sur les gâteaux, mais voilà, c'était juste pour que je puisse aussi remercier bah, toutes les personnes qui m'ont offert des cadeaux, parce que c'est quand même un cadeau comme les autres. Ensuite, qu'avons-nous eu ? J'ai eu tout simplement eh bien, un tapis de souris Razer. Alors bien évidemment lorsque je l'ai ouvert en stream, j'étais pas forcément ultra extasié de OMG c'est trop bien. Pourtant les gens du chat avaient l'air d'être assez en mode OMG trop bien etc. Et en fait moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai jamais trop été habitué à avoir du matos en fait vous voyez dans d'humeur générale. On va dire que moi tu me mettais un clavier mécanique, une souris lambda avec un tapis de souris et puis ça passait quoi tu vois. Jamais trop comment dire. J'ai un petit peu mal à me rendre compte de la valeur de ce genre de choses. Donc j'ai eu ça et ça va en concordance avec ma souris, regardez, qui est juste ici, qui est donc une souris Razer. Donc je pense que c'est cool. Je sais pas s'il y a des petits trucs lumineux sur les côtés, je sais pas trop, mais en tout cas ça a l'air vraiment sympathique. Et puis encore une fois, je remercie les personnes qui ont investi pour ça, bien évidemment, ce sont tous des membres de ma famille. Je sais pas qui exactement, vu que c'est des cadeaux en commun. Mais en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, j'espère que ça fera le taf. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, mon tapis de souris, moi, c'est ça. Sinon, regardez, je vous montre, hein, vous allez vous rendre compte de la chose. Ça, c'est mon tapis de souris. C'est ça. Donc, regardez juste par rapport à une main, ce que ça donne. C'est... Vous voyez la différence ou pas? Attendez, je vais faire ça comme ça. Est-ce que vous voyez la différence? Oh, eh, pas tant que ça, en fait. Ouais, si, quand même. Si, quand même, on voit la différence. Voilà, ça. Et regardez l'épaisseur du machin. Ça, c'était mon tapis de souris. Donc, maintenant, je vais enfin pouvoir mettre autre chose. Ça va être archi cool. D'ailleurs, ça, en parlant de ça, je vais d'ailleurs le mettre là-bas. Je vais le mettre ici. Vu qu'on en a plus... j'en aurais plus besoin, bien évidemment. Mais voilà, du coup, j'ai eu ça. Et je suis très, très content. Ensuite, qu'avons-nous eu? On a eu tout simplement, les amis, eh bien, un Stream Deck. Voilà, un Stream Deck. Alors, pour être archi honnête avec vous, je ne sais pas trop. Je vais pas dire à quoi ça sert, vu que je comprends l'idée. En fait, c'est un espèce de mini clavier sur lequel tu peux mettre en place des scènes, des interactions, des transitions. Il y a pas mal de choses que tu peux faire, en fait, avec un Stream Deck. Seulement, voilà, j'ai pas forcément eu l'occasion d'énormément m'intéresser à la chose vu que je l'ai reçu seulement hier et je ne pensais en aucun cas en avoir un. Donc écoutez, je sens qu'on va vraiment s'amuser avec ce petit bijou. J'en ai énormément entendu parler de la part de pas mal de streamers etc. comme quoi c'était vraiment une merveille. Donc écoutez, on va découvrir eh bien, ensemble directement les fonctionnalités de ce petit Stream Deck. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que malheureusement je n'en ai jamais vu en vrai. J'ai vu une seule fois quelqu'un l'utiliser et c'était juste pour faire des petits bruits bizarres en stream, enfin bref. Je pense qu'en réalité on peut faire beaucoup de choses et puis j'espère que j'arriverai à maîtriser tout ça et faire en sorte que je puisse l'utiliser au maximum de ses capacités.
Donc voilà, donc c'est un petit stream deck. Voilà, je suis désolé, hein, je m'extasie pas forcément sur ce genre de choses, mais une fois que je pense que j'aurai testé, j'aurai découvert, je me rendrai compte que ouais, ça a de la gueule et c'est vraiment insane. Mais en tout cas, voilà, tant que j'ai pas testé, je peux pas forcément donner mon avis, mais j'espère que la réputation qu'on lui donne, eh bien, est véridique. Mais voilà, donc j'ai eu ça. Et ça me fait, encore une fois, tout ce qui est relatif au stream me fait extrêmement plaisir, car ça me permet de m'améliorer dans ce domaine-là. Donc on va le poser là, hop, ici. Ensuite, j'ai eu, les amis, le plus gros cadeau de ce Noël. J'ai donc eu ceci, voilà, donc un clavier Corsair, parce que pour ceux qui se demandent encore une fois, j'ai tout simplement un clavier mécanique assez dégueulasse. Voilà, enfin, vous, je pense que vous... Voilà, voilà. Juste en regardant comme ça, on voit à quel point les, les touches ressortent. Et donc voilà, c'est vraiment un vieux clavier. Comme je vous l'ai dit, hein, je me suis toujours contenté de choses très très simples en fait, d'une manière générale. Et là, je me retrouve avec quelque chose d'assez imposant. Alors, j'ignore totalement en réalité ce qu'on peut faire de particulier avec ce clavier. Il a l'air d'être chroma, il y a des lumières, etc. Après voilà, je pense qu'il y a pas mal de touches qui permettent de faire pas mal d'autres choses. Il y a même des trucs en plus, il me semble. Enfin bref, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas forcément quelles sont les choses que tu as en plus avec ce genre de clavier. Mais voilà, néanmoins, je sais que c'est quelque chose qui est énormément demandé, que c'est vraiment de la qualité. Donc je vais essayer de découvrir un maximum de choses avec ce clavier, du moins d'en profiter un maximum. Parce que si on achète des choses qui ont un minimum de valeur, c'est pour justement essayer de vraiment exploiter un maximum leur capacité. Ça sert à rien de, entre guillemets, de changer de clavier si j'ai la même utilité que j'ai avec mon ancien. Donc croyez-moi, je vais essayer vraiment de voir ce qu'on peut faire avec cette petite bébête. Et puis tout simplement, voilà, je suis extrêmement content de l'avoir. Ça va énormément me changer. Et puis écoutez, je suis archi heureux. J'espère vraiment que c'est un cadeau de qualité. N'hésitez pas aussi à la fin de la vidéo potentiellement à noter sur 20 l'ensemble des cadeaux. Alors lorsque je dis noter, c'est pas est-ce que c'est bien, pas bien, mais est-ce que voilà, est-ce que vous trouvez que ma famille quand même s'investit pour moi à trouver des bonnes choses, etc. Enfin, ah, je suis trop content, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien noter ces petits trucs, non pas par leur qualité, mais tu sais, en mode, est-ce que vous trouvez que ma famille est vraiment une famille en or ou qu'ils ont fait vraiment les bons choix vis-à-vis de moi? Tout simplement, parce qu'il faut savoir, les gens, que vous, bon, peut-être pas ceux qui sont sur YouTube, mais ceux sur Twitch, vous me connaissiez mieux que mes parents, vous me voyez plus souvent que mes parents, croyez-moi. Donc voilà. Et c'est pas terminé, bien évidemment, il reste un dernier truc, les amis, un dernier truc que j'ai envie, tout simplement, de vous montrer, que j'ai donc aussi reçu. Ce sont tout simplement, des mugs. Des mugs, et pas n'importe quel mug. Je les pose là, parce qu'il s'agit tout simplement, de mugs Majem. Regardez-les. Oh là 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 là, il s'agit de petits mugs Majem. Donc c'est aussi, voilà, des petits cadeaux qu'on m'a fait. C'est encore une fois mon père et des membres de la famille, voilà, qui m'ont offert ça. Donc voilà, c'est si jamais t'as envie de prendre un petit thé, un petit café, hop, avec ton petit mug Majem. Voilà, c'est très mignon. Je trouve ça vraiment très 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 bien pensé de leur part, parce que voilà, c'est des choses qui sont vraiment toutes simples en soi. Regardez, on a un petit offline, on a le live va commencer, et en dernier on a quoi, on a le Majem directement comme ça. C'est vraiment putain de beau, c'est putain de simple aussi, et puis ça je suis régalé, quoi. Je suis vraiment archi content. C'est vraiment des très 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 beaux cadeaux, et puis putain, genre, pour le coup, voilà, je pense que vous comprenez à présent, vu qu'on arrive à la fin de la vidéo, pourquoi je vous ai dit comme quoi tous les cadeaux que j'ai reçus indirectement avaient un petit rapport avec le streaming. Donc je suis extrêmement content de vous les avoir proposés aujourd'hui. Et puis écoutez, les gars, j'espère en tout cas, quant à vous, que vous avez été aussi gâtés. Bien évidemment, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, c'était un petit récap pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de suivre le live où je déballe en live mes cadeaux. Donc écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée. Moi, je vous dis, on se retrouve directement pour une prochaine vidéo. C'était Majem. Tchuss.